Ce deuxième concerto de Jardin a dans son essence une grande force dans l'utilisation des thèmes. Donc avec le premier mouvement, on a un premier thème qui est très classique, très formel. Et que tout de suite va nous amener dans un deuxième thème magnifiquement bien fait, avec une très très belle mélodie qui colle très facilement à la peau. Des amis et de la famille chantonner un peu cette musique-là, surtout ce thème-là. Il apparaît d'abord en fa majeur, qui est la tonalité, la relative majeure de la tonalité principale du concerto. Et après, il va le traiter de forme très classique. Il va vraiment conserver cette forme classique dont il appartient dans son époque. Mais c'est surtout dans le traitement, je dirais, des harmonies et un traitement bien, bien spécifique à lui, à son langage, à lui de Jardin, qui est sa main gauche. Il va vraiment traiter les accompagnements avec un contre-champ. Il va phraser ses accompagnements. C'est un traitement qu'on va trouver dans les œuvres tardives de Mozart et qu'on va vraiment trouver d'une façon bien développée sur Beethoven pour créer une recherche dans le sentiment de l'œuvre, dans l'affect de l'œuvre. Il ne va pas rester dans une formalité. Il va utiliser cette forme classique et avec ce traitement de main gauche, il va nous amener à une recherche de sentiment, à des atmosphères qui sont vraiment touchantes. Donc dans le voyage émotionnel, je pourrais m'épanouir vraiment beaucoup dans le troisième mouvement. C'est un mouvement en forme de rondo, dont le refrain est un peu all'ingarezze, où on pourrait l'interpréter à la polacca avec un saut ta-tam, vraiment très marqué. Et ce thème-là, après du refrain, va nous amener sur de magnifiques couplets dont il traite vraiment les voix d'une façon très caractéristique. Il fait son voyage harmonique très classiquement, mais il va traiter encore une fois cette mélodie de droite avec cet accompagnement de gauche qui fait un contre-champ et qui utilise aussi la richesse harmonique. Et il va vraiment nous faire voyager dans deux atmosphères différentes, donc un sentiment de nonchalance, un sentiment de nostalgie, de contemplation. On voudrait rester dans ce thème-là. Je voulais rester là-dedans et donc le tempo tombait. Et non, il fallait utiliser justement cette force de main gauche pour maintenir le tempo et aller au-delà. Et c'est justement ces deux forces qui créent ce sentiment un peu contraire, mais qui est très riche en soi. Donc une contemplation, mais qui doit rester en mouvement, qui doit nous amener dans un élan musical ailleurs. On peut tout à fait le jouer sur piano moderne. Il faut évidemment faire un travail de toucher très important. Il ne faut pas oublier la délicatesse du toucher perlé du pianoforte. Et il faut ramener ça au grand piano. Et profiter de la grande vocalité qu'on peut trouver sur le piano moderne pour exacerber ce travail des voix et ce travail de contre-champ qui est inscrit dans l'œuvre. Grâce justement à mon travail de pianofortiste, j'ai pu approfondir cette étape des nuances et travailler ça avec l'orchestre était vraiment d'une très grande importance car il y a un élan très fort.
C'est vraiment un mouvement perpétuel qui doit continuer, qui nous amène dans un autre thème magnifique, qui nous amène dans un autre contre-champ magnifique. Et donc cet élan, il peut nous apporter une grande passion, et donc on peut avoir un peu un toucher fort qu'on veut chanter partout. Et ce chant peut nous faire avoir beaucoup moins de nuances qu'on l'espérait. Et grâce au travail du chef et avec l'orchestre, on a pu trouver vraiment un équilibre important et faire des grands pianos et des grands pianissimos. Semaine de musique française à Rio a été vraiment très variée, très diversifiée. En ce qui me concerne, j'ai pu faire du solo, une très très belle sonate de Jadin en pianoforte solo. Après, j'ai pu travailler en duo avec le claveciniste Bruno Procopio. C'est un duo pour clavecin et pianoforte. Les deux instruments est vraiment fantastique. Il y a des thèmes qui restent que pour le clavecin, des thèmes qui sont que au pianoforte, des thèmes qu'on se lance l'un à l'autre. Et ce qui est très original dans cette œuvre, c'est comment il a trouvé un équilibre parfait dans les timbres. On pourrait difficilement croire que le timbre du clavecin peut se marier avec un timbre du pianoforte, parce que la façon de l'expression de l'instrument est vraiment différente. Pour moi, le clavecin est dans l'attaque et un peu dans l'explosion de la sonorité avec ce pincement du plectre. Et le pianoforte est dans la douceur, dans la nuance. Dans la gradation sonore, et vraiment dans la gradation des nuances. Au début, c'était un peu compliqué de mettre en place. Et quand on a trouvé la façon de s'écouter l'un dans l'autre, et c'est, je pense que le déclic a été les basses. Si on écoute bien les basses des deux instruments, si on peut vraiment s'écouter l'un à l'autre dans nos basses, le reste fonctionne vraiment très très bien. Thank you.
cette œuvre est aussi d'une force très grande. Elle est à la fois majestueuse, dans un premier mouvement très, très beau, très grand, très, très ample au niveau sonore. Et puis un deuxième mouvement en forme de menuet, un troisième mouvement très lyrique, magnifiquement écrit avec des thèmes parfaitement, je dirais que c'est la haute couture qu'il a fait dans ce troisième mouvement, et un scherzo final très vivant qui termine grandiosement cette œuvre. Donc c'est un caractère très fort, c'est une découverte vraiment pleine de magie. Dans le même concert, j'ai travaillé dans l'accompagnement de la soprano Katia Velletaz. Puis on a fait un ensemble de musique de chambre, on était un quatuor tout à fait formé pour ce répertoire-là avec des œuvres d'Auvergne. Et ça, c'était vraiment très riche parce qu'on a pu passer du pur solo, de la pure sonate classique de Jadin à des œuvres très très riches avec du chant, du violon, avec notamment la grande violoniste Stéphanie-Marie Degand. Faire des masterclass avec des élèves des universités de Rio de Janeiro, donc l'UniRio et l'Université fédérale. Et ça, c'était très enrichissant parce qu'on a pu vraiment échanger nos connaissances avec eux, on a pu leur apporter notre avis sur les œuvres qu'ils ont pu interpréter dans les masterclass. Ça a un côté très touchant parce qu'on voit la dimension de ce que nous, en tant qu'artistes, on peut apporter à des étudiants. Et donc le côté pédagogique est vraiment très important, surtout quand on fait ce voyage international. Effectivement, en 2013-2014, j'ai pu réaliser une grande tournée avec des œuvres d'Alcan, Charles Valentin Alcan. C'était l'année de sa naissance et donc l'anniversaire de sa naissance. J'ai pu jouer plus de 30 concerts avec un répertoire mystique et spirituel autour des œuvres d'Alcan. Et ça m'a permis déjà de retrouver ce rayonnement patronymique qui est la culture française, qui a la culture française. Participer de cette tournée d'Alcan et maintenant de cette deuxième semaine de musique française à Rio, ça m'a permis encore de défricher des œuvres qui ne sont pas vraiment beaucoup jouées en France et les apporter au Brésil. C'était vraiment une grande opportunité qui me laisse participer de ces rayonnements du patrimoine français.